résultat, c'est pas le plus important, c'est l'investissement. Parce que par moment, c'est dur de récupérer le ballon contre ses équipes. Mais en première mi-temps, enfin, on a eu énormément d'occasions quand même. Et avoir autant d'occasions contre une équipe de première division aujourd'hui, mais une équipe de tableau de Ligue 2 la saison passée, c'est intéressant. Est-ce que tu t'attendais quand même, toi, à ce style de match de tes joueurs? Tu les sentais peut-être un peu moins bien physiquement ça, physiquement, je pense qu'on a souffert quand même, voilà, à tous. Mais on sert peut-être un petit peu moins que nous, mais c'est parce qu'ils ont eu un peu plus le ballon, c'est normal, ils ont beaucoup plus de qualité technique. Il y a un jeu qui est plus en possession, mais moi je suis satisfait de ce que j'ai vu, des nouveaux joueurs, des jeunes aussi. On voit des jeunes, même le petit Baptiste Isola qu'on a récupéré à un dernier moment. Il y a eu des bonnes choses. Voilà. Le petit Tocardi qui met un but aussi, même s'il aurait pu en mettre un deuxième. Mais... des très jeunes joueurs qui sont à la fois pour la réserve et pour compléter notre effectif, mais des joueurs d'avenir, international espoir nigérien, c'est un grand pays quand même. C'est bien de les voir les jeunes, on voit Alan Chapchet aussi, qui a besoin, qui est arrivé, pas complètement prêt, et qui a eu pas eu tant de jeux quasiment la saison passée. Ah ouais. Et des chaussures. Et les matchs de préparation, ça sert à ça aussi. Et régulièrement, on peut avoir des découvertes aussi. Les automatismes devant ont l'air aussi intéressants pour une première. Oui, c'était pas mal, avec beaucoup de bons choix, notamment en première mi-temps devant, dans les appels, même de la justesse technique et des choses que j'avais demandé. Comme tu en parlais pour Maïs Abad, sa qualité de déplacement, il a déjà montré que c'était une de ses qualités. Il est présent pour marquer les buts, il fait des gestes justes. Mais comme Jordan Tell, par exemple, qui fait des appels aussi excellents pour marquer. Bamba, qui en a trop fait aujourd'hui, mais. Beaucoup trop gourmand. C'est un peu son défaut récurrent. C'est un jeune joueur, donc par moment il faut être cadré, mais on a vu sa capacité à faire des différences. Qu'est-ce qui t'a éventuellement moins plu aujourd'hui? Pas grand-chose, franchement, c'était un investissement, il y a eu des erreurs, mais logique à ce moment de la préparation, logique contre un adversaire de cette qualité. C'est un match amical, mais de préparation. Mais tous les ans, celle-là. Vous prenez ce but et vous réagissez quand même. Oui, c'est bien. Oui, c'est intéressant. Garder une capacité à marquer des buts. Garder la capacité à être dangereux. On a eu l'occasion même en deuxième mi-temps aussi. C'est bien et c'est que le début de la préparation. Quand je vois des choses que j'ai demandées et que ça marche, ça me conforte dans mes idées et ça donne confiance aux joueurs dans ce que je dis. Prometteur, c'est un mot qui peut correspondre. Hein. Oui, mais sans s'enflammer. C'est quand même pas complètement significatif non plus, il faut rester raisonnable. Moi, les équipes, on a repris en même temps qu'eux parce qu'ils ont repris très tôt, ils sont arrêtés moins longtemps que nous. Mais souvent il y a des décalages de préparation entre les Ligue 1 et les Ligue 2, donc moi je préfère me méfier, ce que je vois c'est ce qu'on fait, ce que j'ai envie qu'on fasse. Le retour à un système à 4 derrière, ça aussi ça fait partie de tes... Ouais. Voilà. On fera différentes choses encore, même peut-être dans cette préparation, j'ai déjà une idée, mais oui, je préfère au départ jouer à 4, je ne l'ai jamais caché, mais... Il faut être pragmatique. On sera plutôt vers ça quand même cette saison, au GH38. Pas forcément. Plusieurs cordes. C'est comment on va être, qui va se révéler, mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, les joueurs qui nous apportent, en fonction de l'adversaire, mais surtout nous aussi, dans quel système on est les plus performants. Tout est possible. D'accord. C'est en tout cas une belle conclusion de cette première semaine, semaine de travail. C'est bien. C'est bien. Bon terrain. Un peu chaud, mais bon terme. Il y avait tout. Parfait.